19h et on est lundi. C'est donc un lundi couverte. Bienvenue. Et aujourd'hui, on va explorer un nouveau jeu qui est en preview, il me semble. C'est Unbound, Worlds Apart. Alors, je vais le découvrir en même temps que vous. Je sais pas du tout ce que c'est, à part que ça ressemble vachement à un Metroidvania en super choupi. Voilà. Oui, en ce moment, c'est un peu le bordel de partout. Vous avez vu? Non, vous avez pas vu? Ok, bah restez chez vous, hein, c'est pas mal. Plop, nous voilà dans Unbound. D'où sort ce jeu? J'en sais rien. Que fait ce jeu? Sûrement pas la vaisselle ni le ménage, mais on va voir tout de suite hein, ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous. Ça, c'est moi. Et vous vous demandez sûrement, je l'ai déjà faite? Ok. Moi j'aime bien aller à gauche quand on démarre un jeu comme ça. Oh, je vais me remonter un peu le retour. Pour rentrer dans les petits oiseaux qui cassouillent dans la forêt, si merveilleusement. Ah, that's right! Non, c'est quoi ça? Je sais pas. On verra. Ça se casse, ça. Je suis sûr que ça se casse. Salut. Checkpoint? Checkpoint? Non? Talk? Talk? Mon frère cherche de l'herbe, ok. Ah, c'est le mauvais endroit, faudrait plus une cité avec des immeubles de partout. Des jeux méga, ok. Ok, je vais le trouver, j'espère qu'il aura pas tout broqué. Je vais juste vérifier si on peut avoir une petite option FR. Tant pis, hein. Alors, cette petite démo aux joies pour vous, elle est disponible hein, sur Steam en téléchargement si vous voulez vous faire la main dessus et l'essayer. Salut, je viens chercher mon frère qui est en train de ramasser de la beuh et je sais pas ce qu'il fait. Hop là, j'ai pas lu. Je pousse l'objet. Ok. Et donc cette démo dispo, vous pourrez l'essayer vous-même pour vous faire votre avis, voir si ça vous plaît, si c'est votre type de gameplay. Bon, au moins, je suis sûr que je repasserai pas par là pour revenir. Merci. Il s'est passé quelque chose, je crois. Monsieur? Bah oui, c'est toujours ça quand on fait le con avec des portails transdimensionnels, hein. Y a un moment, il y a un problème puisque le truc qui est de l'autre côté cherche à venir. C'est bien connu, hein. Une chance que ce soit pas un vir... Bah, j'ai rien dit. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je me barre plus vite même. Hop là, on va le laisser où il est lui. T'as pas le droit de venir chez moi. Oh putain, si. Oups. What did happen? Ça se ramasse ça. Ok, donc je peux jouer sur deux dimensions en même temps. Ça veut dire que j'ai ma dimension réelle et j'ai la dimension de bah, ça existe pas, ça regarde. Et le jeu va s'amuser à me prendre la tête en faisant ah, mais non, t'es pas dans la bonne dimension, dude. Ok, bah là ça passe, regarde. Et là je reviens. C'est ouf. Alors c'est pas mal trouvé parce que si ça se complique vachement derrière, à cause ou grâce à ça, je vais ramasser ça. Va y avoir des moyens, va y avoir moyen de faire cogiter un petit peu le joueur. Donc pour l'instant c'est gentil. What did happen? C'est plutôt joli. En fait pour l'instant je me sers de cette fonction uniquement pour me débarrasser des obstacles. Oui. J'arrive pas, j'ai mes...
Oui, The Famous Clay. Et là, je fais comment? Ah, va y avoir une blague. Ok. Si j'enlève ça, hop, je tombe. Ok. Donc idéalement, il faudrait que je me mette là. C'est mieux, hein? Alors, je sais pas si c'est le fait que le jeu soit pas encore optimisé. Ich! Là, je suis emmerdé là. Ouais, c'est bien ça. Je trouve qu'il rame un petit peu quand même. Hein. Il est pas sur une config de c'est pas un 486DX quoi. Et je le trouve pas super optimisé. Alors, on va dire que c'est parce qu'il est en pré-version. Lui, on va le laisser tranquille parce qu'il a l'air trop. Et il n'existe pas de toute manière ici. What? Attends, y a un truc que j'ai pas pigé. Et il m'a piqué mon caillou. Oui, je vais le feinter comme ça. C'est une bonne raison. Je me suis fait désintégrer instantanément. Faut pas me laisser des jeux comme ça, monsieur. Non, bah oui, je fais que de la. La mouise. Attends, on va tenter comme ça. Hein. J'essaie de comprendre le truc. Faut que je ramène ce truc de l'autre côté. Oui, tais-toi, toi. Ah putain, mais je vais jamais arriver à le ramener. What? Mais tu peux pas te remettre tant que t'as pas fait ça. Oui, c'était simple comme chou, un enfant d'huit ans aurait compris, mais moi non. C'est comme ça. C'est. Ah! Why? Hop, hop, hop! Là, je suis bon. On va pousser ça là. Hein. Je vais me remettre par là. Ma titi, il est content aussi. Et puis, on va finir ce qu'on a commencé, les amis. Allez. Ce fut laborieux, c'est moi. Ça doit être moi. Oh la vache. Salut. T'as pas envie de parler, toi. T'as vraiment pas envie de parler. T'es sûr? Sûr, sûr, sûr? Sûr, c'est ton dernier pas mot. J'y vais, hein. Pourtant on fait un beau. Ouais, ciao. Ouais, mais j'ai pas trouvé mon frangin parce que je sais pas ce qu'il a fait. Et il me semble qu'il a tout fumé, je crois. La confirmation que c'est un Metroidvania. Une map. Comment je la vois? Comme ça. C'est plutôt joli. Je suis ici et je vais aller plutôt ben, là où il fait tout noir. Oh, regardez! Et si j'allais trouver un fragment? Non, trop tard, je l'ai fait, bonhomme. Salut! Ok. Je te dis pas bonjour, toi tu vas pas me parler. Alors c'est dommage que le jeu soit pas encore optimisé, hein. C'est pas terrible cette saccade. Je peux pas bidouler là? Are you kidding me? Ah mais je peux. Ok, je peux m'accrocher aux lianes. Salut, tu bouquines quoi? D'accord, tu regardes le manuel? Bah, je vais t'expliquer. Le fast travel, c'est juste un portail que tu actives et tu vas te téléporter instantanément à un autre endroit du tableau. En faisant chewing. Je peux pas y aller direct. Ce serait bien. Et là, direct aussi. Hop, non. Ok, on verra plus tard. Oui, dessous ça a l'air bien pas bien. Non, je ne peux plus chewing. Oui, je déteste jouer en live des jeux de plateforme parce que c'est là où je me révèle être en mode boulet total. Alors tu peux passer plutôt pas là. Et là plutôt pas. Ok. Et si je gloube ou ça gloube? On va tenter, hein. Je suis naïf, moi. Je
me dis, ah, des fois, sur un malentendu, regarde. Quoi? Non, rien. C'est vraiment un gros malentendu là. Je vois pas comment je vais faire. Suis-je bête? Il y a un bout d'idée déjà. Alors. Plop, hop, plop. En fait, faut que je fasse plop, plop. Vous avez pigé le truc? Non, j'ai mal expliqué. Ok. Là. Je saute et je fais plop, plop. Tiens. C'est vicieux, hein, parce qu'il faut le faire vraiment très vite, quoi. C'est. Moi-même, je me surprends. Alors, on va enlever ça, y a plus besoin. Oh putain, fais-moi pas une connerie, toi. Quoi, y a pas de bonus? Y a pas de bonus? Are you kidding me? I'm sure there's a bonus. Eh, je peux aller là-haut si je veux. Mais j'ai vraiment pas envie, en fait. Mais je vais quand même y aller. Le roi des quoi? Je sais pas. La curiosité, tout ça, je sais, ça a pas l'air sympa, ça, là-haut. Je sais pas si vous me suivez. Voilà. C'est... Mieux vaut pas, quoi. Donc, on va pas y aller. Hein? Sur un... Il y aura même pas de malentendu, je crois. C'est le bon job, c'est le bon job. Ah, putain, presque. Bah, tu recommences, bonne oeil. Attends. Ah, je peux pas quand je suis là. C'est dégueulasse. D'accord, quand t'es accroché, tu ne peux pas. Ok. Alors, le jeu est quand même sympa, parce que du coup, il vous amène à cogiter, même si vous n'avez pas envie. Enfin, surtout si vous n'avez pas envie. Alors, je peux me téléporter où je veux, mais pas tout de suite. On va tchatcher avec le vieux, là. Alors, des fragments de porte, des fragments de clés. Apparemment, tout est fracassé dans ce bled. Oula! Ah, et cette fois, ça me suit. Ce qui est plutôt pas mal, parce que je vois pas trop comment je serais passé, sinon. Plotch. Ce jeu va être plein de renversements. Ah, mais il faut courir, bonhomme. Ok. Comment faut feinter. Oui, il faut désactiver le truc pour tomber et le réactiver pour remonter. Vous aviez bien compris la manip. Ok. Ouh, va falloir y aller vite là. Comment c'est... Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, ça va pas être bien pour moi, je pense. Ouais, non, ça va pas être terrible. Non, il n'a pas l'air très commode. Ils auraient pu me mettre des pics là quand j'atterrissais, ça aurait été très méchant. Oui, c'est un jeu qui va vous renverser la tête. Quand tu passes. Il est énervé. Oh, qu'il est énervé. On va regarder comment il. Bon, je suis pas content, je suis pas content du tout. Mais je passe comment moi, dude? J'ai pas pigé là du coup. Parce que j'ai aucun moyen de taper sur les gens. Ça me perturbe un peu. Oui, on est là pour taper sur les gens quand même. Non? Alors, admettons, je descends. Pouf. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Si, il se passe quelque chose, mais je sais pas comment je vais le passer, lui, bordel. De toute façon, c'est un one-shot. Si je le touche, je crève. On verra bien. Clutch. C'est fait, ça c'est fait, hop, il sait plus à faire. Est-ce que je peux passer par en dessous peut-être? Oh putain, surtout pas. Alors attends, si, il y avait un début d'idée. Agade, monsieur. Oh, je tombe. En fait, il y a une temporisation aux petits oignons à faire. Vous avez bien compris ce que je voulais faire. On va y arriver. Nanana. Na 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 na
Hey, goodbye. Pourquoi je peux pas aller dessous? Dessous, il y a le fragment que j'avais sur la map. Eh oui, il est devant moi, il me nargue, il se fout de ma gueule. Mais je n'ai no way d'où aller le chercher, alors fais-la. Va falloir que je trouve un moyen renversant d'y aller. Squeak. Ok, j'ai activé la sortie, mais là on s'en fout. Je veux pas sortir pour l'instant. Non, bah, j'ai vu ce fragment, moi ça m'a titillé. Oh, attention, tu. On s'en va? Mais je trouve ça triste. Alors. Non, mais je suis venu pour ce fragment, les amis. Vous allez pas me dire le contraire. En plus, vous avez bien vu, ça disparaît, ça. Oh, je l'ai fait très vite, mais ça n'a pas marché. Oh putain, d'accord, je pouvais descendre. My bad, I'm sorry. Donc je descends et je renverse la vapeur. Je l'ai fait un peu trop beaucoup. Attends, il y avait une feinte. Tac tac tac. En fait, ouais. Faut vraiment jongler beaucoup sur les touches, c'est rigolo. Tac. Tu descends. T'inverses. Tu reinverses. Il y avait un bout d'idée. Mais merde, ça on t'inverse. Ouais. Le principe de ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, les amis? J'ai trouvé un truc, monsieur. Monsieur? Ok, monsieur. Bien, monsieur. On va regarder la map. L'autre fragment, il est là-bas, à perpète. Fast travel. D'abord, on va utiliser ce fast travel qui va me fast traveliser, d'ailleurs. Plotch. Donc, Unbound. Bah, apparemment, ça a l'air tout bon. Hein. Le jeu est complètement... je peux plus utiliser ça. Le jeu a l'air bien prévu pour vous secouer le neurone. Je regarde par rapport à ma map, je sais pas par où passer. J'ai pas exploré tout à droite là-bas. Peut-être que. Allez savoir. Et du coup, ben, ça a l'air bien équilibré entre plateforme et puis un petit peu de réflexion quand même, sinon on n'y arrive pas. Si je vais là-dessous, what's happening? Bah oui, lui il m'attend. I was waiting for you, buddy. Regardez-moi ce trahu. Fait tout noir ou c'est moi? Non, fait tout noir, vraiment. Ouh. Stay still to see the shadow. Ok, donc si j'arrête de bouger, ça m'éclaire. Le jeu est vraiment réussi sur ce côté-là, la façon de mélanger différents types de gameplay qui vous force à réfléchir. Puis visuellement, c'est quand même pas mal réussi. Salut la grosse. On va la coincer. Normalement, une araignée comme ça, je balance un caillou dessus ou une godasse immense. Ce fut une très mauvaise idée, ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'était tout simplement une très mauvaise idée. Petit. Hop là! Et tu cours, et tu cours. Et tu t'arrêtes, vous pouvez voir quelque chose.
sais pas ce que c'est ça, mais ça a pas l'air. Ouais. C'est une question de rythme. Il y a une chose. Et une chose en amène à une autre. Et donc je disais, avant de m'égarer je ne sais plus où, oui, totale réussite. Puisque le jeu est assez captivant et du coup, bah là ça fait combien de temps? Et plus de 20 minutes. Plus de 20 minutes, avec du bullet time, certes. Mais ça fait plus de 20 minutes que je suis dessus. Et j'ai pas envie de lâcher. Donc quand ça fait ça, un jeu en général, c'est que c'est plutôt réussi. Oh putain, ça va être la merde. Oh, chouette. C'était exactement ce que j'attendais. Oui, j'avance doucement, ce serait moche de. Je sais pas ce que c'est là-dessous. Attends, tu fais pas ça, monsieur. Là, je veux juste. J'arrive pas à l'activer. Ok. In the trou. Plop. Je vais regarder ma map quand même. Je suis là. Mon diamant est à droite. Pourquoi je vais à gauche? Juste pour emmerder le monde. Non, mais c'est à gauche. Si le diamant est à droite, c'est qu'à gauche, il y a un bonus. Regardez-moi ce truc rouge là-haut. Ça m'a l'air bien compliqué ici. Plotch, plotch, plotch. Oui, on ira plus tard. Ça sent l'araignée. Clic, bloc, clic, bloc. Ça c'est ballot ça. On en était donc à plique, bloc et replique. Pas d'araignée les gars. Ah putain, qu'est-ce que j'avais dit? Personne m'écoute. Plique, plotch. Je vais faire comment pour la passer moi cette araignée? J'attends. Elle va peut-être me donner une idée. Purée de bordel de. Grosse. Plotch. Ok. Ce serait moche que je tombe dans un trou là. Ou qu'il y en ait une seconde. Voilà, quand tu veux, bonhomme. Comment on s'en va? Je suis rentré chez moi. Alors, je vais pas vous faire voir plus loin. Bah, parce que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour vous faire une idée du jeu. Et que vous avez bien pigé que ce Unbound, bah, il va vous faire gérer votre adresse et votre façon de cogiter les niveaux. Je peux aller, je peux aller. Bring fragments. On va aller rapporter les fragments et puis basta tutti. Petit rappel. Cette démo elle est dispo sur Steam si vous voulez l'essayer, voir si ça correspond à votre type de gameplay. Et la date de sortie, j'ai pas fait vraiment gaffe. Je pense que c'est d'ici un mois ou deux normalement. Salut. Sur ce, eh ben, je vous dis à tout bientôt. On se retrouve à 19h, comme chaque jour presque. Je vous rappelle qu'en ce moment, je vous ai fait l'effort de vous faire 5 streams par semaine. Donc abonnez-vous, vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés. C'est le lundi essentiellement. Le shmup de temps en temps pour meubler. Et puis, je casse d'autres streams au milieu, vous avez remarqué. Playlist, playlist, bouton d'abonnement. Ciao.